Bienvenue chez Media Littérature. Dans cette vidéo, on va répondre à ces questions. Qu'est-ce que communiquer? Quels sont les éléments qui constituent le processus de communication? Alors, tout d'abord, on va commencer par définir qu'est-ce que ça veut dire une communication. Communiquer, c'est échanger, être à l'écoute de l'autre pour bien le comprendre. C'est l'action de communiquer, de transmettre des informations ou des connaissances à quelqu'un. Le schéma d'une situation de communication. La communication nécessite l'intervention de 8 éléments. L'émetteur, c'est celui qui envoie le message, qui écrit, qui parle, qui envoie l'info. Ce peut être une entreprise, une collectivité, une association. Le récepteur, c'est celui qui reçoit le message, qui le lit, qui l'entend. Ce peut être un client ou client potentiel. Le message, c'est l'information transmise selon une certaine forme, ce qui est écrit, ce qui est dit. Le référent, c'est le sujet de message, ce dont on parle. Le canal aux médias, c'est le support du message entre l'émetteur et le récepteur. Le code, le message est codé par l'émetteur et décodé par le récepteur. Il faut connaître le code pour comprendre le message. Si l'émetteur parle anglais, il faut que le récepteur comprenne l'anglais. Le bruit. C'est tout ce qui perturbe la communication, les parasites dans une communication radio, le bruit de la rue pendant une conversation, une mauvaise qualité de papier ou d'impression qui ne permet pas de bien lire un texte. Le feedback. Le feedback permet de s'assurer de la bonne compréhension du message par le récepteur. Il peut être verbal ou non verbal. Ma vidéo tient à sa fin. Merci pour votre attention.